Monsieur Polluet, là. Ah, très bien. Oui, j'ai reçu ce matin une note de l'Association des commerçants de Saint-Plongeon dont vous êtes le secrétaire, n'est-ce pas? En effet. M'annonçant l'intention d'organiser dimanche à 15h un défilé de protestation contre la mise en liberté de Félicien Couricoulé. C'est cela, de nombreux plongétins viendront évidemment se joindre à nous. Nous n'avons pas été les seules victimes des casseurs. Ah, je suppose défilé avec banderole et tout le tralala. Oui. Alors, voyons voir ça. Le cortège se formera dans la halle au Vau et par la rue du général de Gaulle gagnera la place du colonel Augustin Monchard où il se disloquera. Oui, parce que tout de même, la mise en liberté de Couricoulé est un scandale. Je crains malheureusement qu'il va falloir indigner sans défiler. Pardon? Je suis malheureusement obligé d'interdire cette manifestation qui pourrait passer pour une provocation. Nous sortons d'une émeute qui a failli nous rayer de la carte. Les cendres sont encore chaudes, ce n'est pas le moment de souffler dessus. J'interdis. La justice a donné son verdict, on ne bouge plus. La bretelle plongeait-elle était alors agonisante. Il fallait de la main-d'œuvre, pas chère, bon marché, afin de contrer la bretelle thaïlandaise. On a donc importé de la main-d'œuvre au point d'en désertifier le Maghreb. Où les loger? Les bronchettes. Manquait simplement une loi interdisant à la main-d'œuvre de se reproduire. Qu'à Saint-Plongeon, de moins en moins d'œuvres et de plus en plus de mains. Hortefond, le président du football club est là. Ah, le football club à la pique. Si vous ne faites rien dimanche après-midi, peut-être que vous viendrez avec nous. Nous jouerons contre Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse. Dites-moi, est-ce qu'on n'avait pas un match dimanche dernier? Hein? Saint-Plongeon contre La Meute Beuvron. 8 buts. 8 buts! Ah! 8 buts. C'est ça, on a encaissé 8 buts. Bah remarquez, c'est quand même mieux qu'au match aller, non? Au match aller, 9 buts, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge et une côte cassée. Ça fait des mois qu'on a pu gagner un match, monsieur le maire. Les garçons perdent courage, ils rendent leur licence. Mais je vous avais prévenu, hein. Fallait prendre un ou deux pros cette liaison pour lancer le club. Ha! Des pros? 1 milliard pièces? Alors qu'on n'a pas de quoi finir le tout à l'égout du bas de la vieille ville, débrouillez-vous pour qu'on joue dimanche, je sais pas moi, trouvez un remplaçant. Un jeune qui vient se mêler aux entraînements depuis quelques mois. 22 ans, impactant, le turbo, aucune olympique. Avec lui, c'est gratuit et on fait surface. Bon, bah alors, où est le problème? On est jeudi, je peux avoir sa licence pour dimanche. Et... bon, bah on joue dimanche avec un battant, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Comment s'appelle-t-il? Couricoulé. Pardon? Couricoulé, Tunisien, le sombre des bronchettes. Tchè, ça va pas, non? Bon, tiens, surveillez, monsieur le maire, ça saute aux yeux, ce garçon-là, c'est Platini, Papa, Pelé, Maradona, par la suite. Pied droit, pied gauche, assis, debout, couché, les yeux bandés, pas dans la lucarne. Couricoulé sur le stade, c'est la tribune en feu, les plongettins piétinés. Monsieur le maire, un but de plus, un but de moins, et le paysage politique est chamboulé. Les mairies se jouent sur un pénalty. Et pour vous, les titres, audacieuse initiative, exemple d'intégration, un repentir des droites, Saint-Plongeon, vive pas! Existez. Remerciez Madame Couricoulé, mais dites-lui qu'un maire ne peut pas voir s'affronter les deux moitiés de la ville. Évoquez, je ne sais pas moi, une tornade. Madame Couricoulé est antillaise, elle comprendra. Bonjour! Je t'ai déjà demandé 100 fois de ne pas rentrer dans mon bureau comme dans un moulin. Je viens de croiser Pelu, il me dit que tu interdis de défiler? Oui. Elle me débine? Je le sais, mon propre fils, chez Catalin, que je fais téter des hormones à mes veaux. Mais mon chéri, c'est bien ce que tu... C'est pas à lui de le dire, quand même. Histoire de Saint-Plongeon, Villefard, intégration, première division... Vous pensez que ça donnerait quoi, vous? C'est une idée à la con. Allez, au revoir, chasse monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Mais je vous en prie. Monsieur Hortefond vient de me dire... Mais vous ne pouviez pas engager Félicien? Non, je ne peux pas. Parce que votre fils vient de mettre la ville à feu et à sang avec quelques petits camarades. Alors en attendant, on attend que ça se tasse. Tribunal, il a pourtant reconnu que Félicien n'avait pas participé au pillage. Ah non, 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 non. Félicien, il débutera avec l'Olympique à Saint-Plongeon. Je vous dis que ce n'est pas possible. Maintenant, je veux bien parler de Félicien à la Fédération. Elle ira décider de son avenir ailleurs. Félicien, il débutera avec l'Olympique et ça pourra au jeune et s'applonger qu'il est capable d'autre chose que de casser les vitrines et d'estomper les gendarmes. Allons pour dimanche, nous sommes d'accord? Non, nous ne sommes pas d'accord. Allons là, monsieur le maire, j'ai le regret de vous dire que vous allez essuyer une tonnade à pierre si Félicien ne joue pas dimanche, j'adito. Quoi? J'avoue à Félicien que tu es son papa. Bonjour madame. Bon. Bah, Roland? Ouais. Écoute, c'est simple, le maire a son bureau. Ah, c'est pour notre petit joueur de foot. Ouais, c'est ça. S'il y a quelque chose qui te gêne, n'importe ta chaise, tu dégages, tu viras. Oh. Bien sûr qu'on leur a dit, c'est pour la télé. Et alors? Un bras d'honneur à chaque fenêtre et un poil la bébé. Un poil la bébé. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Gérante. Les patrons de l'auberge viendront témoigner et Félicien jouera cet après-midi. Mais comment tu sais ça, toi? Eh bien, je le sais parce que je... Eh ben, voilà. Ben voilà, je... On devait seulement dîner. Ne plains pas, va. Un fils pharmacien, un fils champion de foot. C'est vraiment un heureux papa. Monsieur le père. Oui, quoi? Puisque Sylvie s'en va, pour la remplacer aux relations publiques, eh ben, il n'y a qu'à prendre Morissette. Bah non, non, pas de Morissette, plus de relations publiques, on s'en passera. Henri, c'est la première fois en 25 ans, je te demande de t'occuper de ta fille.